Donc j'avais 5 ans et j'ai évidemment plein de souvenirs parce que j'étais avec le fils de Michel Legrand, Hervé Legrand, parce que c'est mon faux frère de mon enfance. Et on nous avait engagés pour la dernière scène. Ça, c'était l'idée de Jacques, de dire à Michel Legrand, écoute, nos enfants ont le même âge, faisons-nous un petit plaisir, faisons-les être dans le film, comme ça, quand on sera vieux, on pourra regarder le film ensemble et on se rappellera ce bon souvenir. Françoise, reste tranquille. Venir sur un film, sur un tournage de mon père, c'était normal. Enfin, ça nous amusait parce que c'était la nuit, qu'il y avait de la fausse neige et tout ça, mais on avait 5 ans, donc tout ça, on ne le percevait pas. On a surtout beaucoup rigolé. Le projet a été fou en 63 et finalement on est en 2013, il reste quand même encore un peu fou quoi. Parce que chanter la réalité, chanter la guerre, chanter le désespoir, chanter tout ça, ben, finalement aujourd'hui c'est encore peut-être fou et c'est pour ça que le film traverse les générations. Et les cultures, parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que le film a été un succès quand même dans le monde entier et donc dans le monde entier on a découvert la ville de Cherbourg. Il l'a quand même transformé, la ville de Cherbourg, c'est-à-dire qu'il a tourné parce qu'il voulait tourner dans un port, il voulait tourner dans une ville de province, mais de là, après, il a fait les papiers peints, tapissé les murs, réinventé de la couleur, donc il s'est servi de Cherbourg et je pense que ce film est totalement ancré maintenant dans la mémoire collective de la ville. D'ailleurs, c'est formidable, moi j'ai vu des Japonais venir rue Daguerre en me disant « on a fait un pèlerinage, on est allé à Cherbourg ». Donc ça, c'est magnifique comment une ville d'un seul coup est liée à un film et pour l'éternité.